Ah, lui, man, il aime Montréal, man, il adore Montréal, il aime Montréal. Puis là, on voit le gars, puis on lui demande hey, pourquoi t'aimes Montréal, puis il dit check mon chandail, man. C'est marqué Montréal, je t'aime, avec les fucking initiales de Montréal qui écrivent le mot je t'aime. Qu'est-ce que tu veux de plus? Reboot aussi. Le ballon est une présentation de salichstar.com. Oh ouais! Parle-moi de ça! Pardon. Je peux te parler de plein de choses. Ok! Est-ce que tu savais que la planète se réchauffe en ce moment? À ma droite! Présente-toi! Yo, j'en parle à UFC, ok? On va dire que lui c'est Joe Rogan, lui c'est Bruce Buffer, lui c'est Dana White qui porte une barbe. Lui Jean McGregor qui s'ouvre trop la gueule, Mouné Diaz qui se coque une slap. Wow. Et au fuck les gants pour shot là, il y a les streets pour cogner le fucking atteint. Parce que même si vous voulez me suivre à MMA, c'est ironique, mais Monsieur Rich n'aurait pas les moyens. MCKS de L-Prod, bitches. Ok, bitches. Et à la gauche, présente-toi. Hey, on s'ici Rich, a.k.a. Rico, si, señor! Gros shout-out à ma main, Chelito Loco, Steve Mac, tout le monde à mon back, le monde de ma job qui ont ghostwrite mon texte aussi. Je suis tellement confiant, j'ai même pas amené le sang bread, man. Lol! Pile ou face! C'est vrai, true story. On va même pas juger le ballon. C'est face, tu commences ou il commence? Ça va commencer. Ok, il y a 200$ sur la ligne, les passes se chausent. MCK, it's on you! C'est un étrange système de qui tu vas prendre des directs avant qu'ils me rendent chez Pinel. À soir, c'est la plaine contre cette île. Wow, de quoi vendre des billets? Je vois que mes plaines, c'est les fautifs. C'est où tu restes, que c'est trop fif. D'où tu viens, tout tes fucking loin, juste rendre au depths comme un road trip. Rien qu'une plotte avec une tête brûlée. Fait qu'en dedans, tout est Jeanne d'Arc. Mais pourquoi se distancer de la masse pis se mettre à chanter rien que de la merde? C'est normal d'être pas full sensé. Ils sont juste 12 dans la ville, fait que 12 de bandes sur Spartak. Des heures de route plus un milliard nous suffiront pour constater que t'as que de la crotte en munitions. Alors ta punition sera de fermer ta crise de gueule dans un one-way pour contrer le fait que ta prod c'est multisson. Ce monde-là, c'est dans les temps que ça plonge. Va te pendre, t'es dans ma zone. C'est un autre trou de cul inconscient que son succès va durer moins longtemps qu'un écran d'iPhone. Tu ferais faire du yoga entre une slice de pills pis une line de pills. T'es un moins que rien, fait que ça va être facile de faire le vide. Pis tu parles de fuck downtown. T'as pas les bonnes idées qu'il te faut pour produire l'équimose. Toi, tu vas fuir les rivaux. Bref, y'a plus de sorbe dans son vagin que fucking Olivier Primo. Ah! Beach Club! Beach Club! Time! C'est Rich! Sur toi! Hey, oh, sérieux, il serait temps que tu te réveilles! J'ai check tes battles, t'as genre 28 défaites! T'as perdu ta job à shop parce que t'as frappé un collègue, tu croyais quoi en débarquant avec tes gants du UFC à ton party de Noël? Mais yo! MCK, arrête de brag, gros gay, t'es une fucking fag trop gelée en 3 syllabes, j'suis capable de décrire ta face, crack cocaine! On dirait que t'es été nourri de patates pilées de ballonnées. T'es le genre de wack qui se ferait battre par Raph ou Arroger. For real, je te redonne ton 100$, tu passes le battle à choquer. Si tu manques de stock pour la guerre, t'aurais dû arrêter au surplus de l'armée à côté. Mais ouais, j'avais pas trop le goût de me forcer. À soir, je battle en Kaioken. Mais malgré ça, mon gars, y'a quand même des grosses chances que tu perdes. Just give me your energy. Je vais faire un spirit bomb juste pour être sûr que tu crèves. À soir, ça sera pas beau. Si je me transforme Super Saiyan 4, j'aurai pas juste l'air plus raide. Nice. Mais yo, hey,
Ta tête a l'air d'une graine pleine de veines quand tu spits tes verses. Dickhead, il rit de cette île, mais il vient de la plaine, il restait dans une ferme, il y avait genre 27 chefs chez eux. C'est avec une d'entre elles qui a perdu sa virginité, messieurs. Depuis ce temps-là, il arrête pas de dire, asti, que j'ai le goût de me mettre, c'est dur. Le Chris Domo, t'es en enfer, ta blonde, je suis pas ici, Lolo, tu m'entends faire. Tu me dis là, je m'habite, tu arrives pas à cheville, ouais, parce qu'il y a toujours les jambes en l'air. À part ce qu'on a, juste des petites filles qui se ramènent parce que tu peux leur faire à croire que le physique d'un athlète, tout ça pour finir par choquer si vite la visite de leur palais. Fait que pourquoi s'appeler si rich si quand vient t'en retirer du lit qui était à sec? Check, pour get une princesse wow, suffit yang d'être molle. Toi, en faisant la baveuse, crise de chienne, quand tu get de l'extase, c'est avec des Saint-Bernard. Tu désires des nuits parfaites avec des belles bitches italiennes. Moi, c'est ta vieille môme qui me bave ses notes, mais elle dit que j'ai mis le paquet. Mais elle fait juste me soc. Passe bitch fuck, la crasse qui est là, des restants de chlamydia sur ses jambes. Puis dans sa vieille plotte, on peut casser plus d'anecdotes que sur le tape d'une caméra de surveillance. Okay. Toujours les pieds plats. Fait que je t'évite, puis je te laisse ta paille de chaussures fight. Tes overhearts, on voit ta grosse cruche avec ta tête de ciseaux live. C'est clair que je fous plus. Ces bonnes idées grossissent pas, même si son cerveau il se force. Mec, la face de dingue donc normal qu'il y ait quelque chose qui cloche. So, crie à ta pute de te sortir. Ta naissance était peut-être free, nice qu'elle a eu le droit de te l'offrir, mais ta venue dans nos rues est comme elle. C'est une erreur qui ne doit plus se reproduire. Time. Ninja time! On passe au deuxième round. See Rich, it's on you, mom, hein? Hey yo, t'es une bitch super dopée. Je m'appelle See Rich, mais je suis super paumé. Je suis sur un autre level, je suis lit, superposé. Non, je suis sur un autre level comme un lit superposé. Yeah! À ce soir, je vais te kill exactement comme si t'étais supposé. T'es tellement vert que t'as l'air de Homer Simpson quand il est super choqué. Mais yo, hey, t'es wax plus nice que toi pis ta gang de gelée. Quand Philly m'a dit le match-up, j'étais sûr que t'allais être même pas game. MCK, tu suces tellement, tu devrais t'appeler M-Socky. Tu penses que t'es fat? Non, t'es un esti de légumes, j'suis un gros Chris de trio Kentucky. Fait que je t'embarque si tu me pousses, ça c'est un auto-stopper. Mais je vais rester sweet, mec, je te casse la gueule, ça c'est un gob-stopper. Ça a l'air t'as perdu tous tes boys, passe, t'as pas d'honneur. Pense pas que je suis fétichiste quand je dis que je botte fuck ta sœur. Foire de botte. Mais donc, quand j'ai su le match-up, j'ai voulu aller check sur Facebook, mais tu m'avais bloqué avant même que je t'ajoute, fait qu'à la place, ben j'ai hâte ta biatch pour qu'elle me snap sa noune. Yo, fais ton sur Snapchat. À ma droite, c'est la troisième round. I'm just saying, dernier round, let's fucking go. J'écris la vibe des rues, tout Jimmy, parce que life t'es fru, puis de blonde, puis de style, là où on risque de leur voir, c'est dans ces lits batailles nues. Vite liquider ta bonne serait plus civilisé que ta conne. Fait qu'initié à ça, je préfère mes pistes des sabots. Je préfère mes pistes des. Ah! Vite liquider ta bonne serait plus civilisé que ta conne. Fait qu'initié à ça, je préfère mes pistes des sabots que les débilités que t'apportes. Si moi je dis qu'on pop, c'est que t'es un dérivé de la drogue sûrement consommé par Raph P. La crédibilité de Jag One. Tes mélodies se résument au fuck de siffler tout croche. Fait que ce sera pas dû à ton taux d'inspiration si je m'époumonne. Je veux pas devoir te justifier après le battle si Rich Gruesome. T'as l'air gelé? Ça tombe bien. M'a tué le légume. C'est pas tout dick rich, va me cook way back. J'ai déjà grill de Richmond. La personne peut te sauver la vie contre l'auto qui arrive. T'as une poignée dans le dos, ça paraît. Fait que je trouvais ça concept de te faire des tours de valise. Rendu là, mes chums me crient ah ouais, ah ouais, MC, en bord là-dedans. Fait gun à clou pis 2x4. Tac, 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 tac. Lui qui manquait d'encadrement. T'es pas un bad boy, t'es juste tombé dans le panneau. C'est comme si partout où tu passes, j'ai genre ôté le canal, pis ça change fuck all parce que t'es toujours à côté de la plaque. Mais si tu voulais juste rock le street, t'aurais dû poser de l'asphalte. Fait que côté barreau pis job, c'est comme avec la mode. C'est déjà dégonflé une fois, fallait pas s'attendre à ce qu'il vienne rebondir plein de swag. C'est qu'un institut veut de tendance, fait que c'est pas juste en perdant connaissance que lui va tomber d'un vap. Time. Tim Hop! Vu qu'il aime bien amuser des multisyllabiques, ta chicks, c'est une petite salope. La bitch, elle me suck pendant que j'y hit la gorge, tu y liches la plotte vu que t'as la bite malpropre. For real, t'as mis ta shot. Je la fourrais même pas avec 6 capotes. Quand kiss ma note, moi j'y pitch de la drogue pis sa noune coule de juice comme si elle avait 10 vapotes. Ah! Mais yo! For real! Yes. Sale! Mais ouais! Sale! Yeah, ouais, j'ai des vidéos de porn de ta petite dans mon esti de laptop. Moi j'écoute ça bien relax quand je t'assis sur la bolle. Elle est vraiment pas difficile, elle trouve n'importe qui sa coche. Pis toi t'as tellement pas de couilles, ça te fait même pas un pli sur la poche. Mais yo, c'est parce que tu
C'est parce que tu nous saoules qu'on te cale. Je vais au bout de ton ass, tu vas lose mon sale. Fuck tes prises de soumission, ici c'est avec les coudes qu'on frappe. Il est pas cool ton rap, dude, je vais voler tes choses, tout ça te fout en 12, bon jab. Fait que tu vois, t'as tellement déraciné que tout ce que je vois en avant de moi, c'est un fucking trou de tronc d'arbre. True story, littéralement, genre. Mais yo, pour finir, ta bitch de mère est conne. T'es tellement gay qu'en espagnol, ton AKA, c'est Pinche Maricon. Tira! Yo, faites du bruit pour les deux MC! Je vais aller au Beach Club, on s'en va voir les juges! Dans le South! Yo, Donny S, Rap Contenders, je suis là pour donner le résultat du battle entre MCK et C-Rich. J'ai trouvé ça assez serré sur les trois rounds. MCK a eu comme une petite hésitation, un petit choc à la fin là. Puis je pense que ça a fait la différence. C-Rich pour moi prend le premier mais c'est relativement tight. Le deuxième je le donne tight. Puis le troisième ça fait vraiment sur le petit choc qui se passe. Et je la donne à C-Rich là-dessus. Voilà. Ben moi j'ai donné le battle à C-Rich parce que je trouve que MCK. Il avait pas l'air à l'aise, il a un peu rushé tous ses trucs, il allait super vite. On ratait un peu tous les impacts des trucs qu'il avait essayé d'amener. C'est sûr que il a de la présence, il parle fort. S'il avait mis une camisole, peut-être que j'aurais voté pour lui. Mais C-Rich était plus préparé, il était plus à l'aise, il avait plus son texte en main puis il avait plus une mise en scène. Donc c'est pour ça que j'ai donné les trois verses à lui. Et voilà! Alright, hey Chachou, moi je donne le battle à C-Rich, plus préparé, plus prêt, plus c'était meilleur sur tous les angles, 3-0 C-Rich, let's go! Yes, what's up, c'est votre boy Feezy the main man from the DMS Battle Ring, big shout out to Word Up. Non, pour le battle, je dois le donner à ma man C-Rich. Les bars étaient là, la prestation était là, les métaphores étaient on point. You know what I mean? I love it. Gros shout out C-Rich. L'autre côté, MCK, je trouve que les bars étaient trop récités. C'est comme s'il voulait juste rapper son verse and then go home. Like, you know what I mean? Like, j'ai pas vraiment vu le vibe de battle rapper. Vraiment, c'était plus comme une récitation pour moi. Côté bars, oui, j'ai aimé les bars. Il y a quelques rounds que j'ai trouvé qu'il a été plus fort. Par exemple, le deuxième round, je l'ai beaucoup aimé. But it's not enough. C-Rich est venu en forme de 1 à 3. Les trois rounds were on point. Big shout out C-Rich, man. That's what it is. Yes. Yo, what's up? C'est Catherine pour le forum Word Up. Juge C-Rich contre MCK. En fait, c'est simple. Les deux se ressemblent beaucoup. Les deux ont beaucoup de rapping. MCK, il précipite beaucoup ses bars. Mais ouais, c'est ça. En fait, je donne le battle à C-Rich, 3-0. Il y avait plus de punch, même si les deux, c'était beaucoup similaire. Donc c'est ça, C-Rich, 3-0. Yo, what's poppin'? On est back avec la décision des juges! 5-0, C-Rich! Yeah!